T'entends rire, Viviane, là. Tu vois, sensuel, là. Ben, je suis comme ben, c'est mon influence, Bob Ross. C'est à cause de ça. Puis tout le monde me dit, j'ai une voix très jazz, mais ASMR. Tu sais, fait que là, je me dis, ben, il y a peut-être du monde qui écoute l'émission avant de se coucher. Fait que là, tu sais, puis ben oui. Puis tu sais, moi, toutes les shows YouTube du monde qui te gueule après, là, ça m'énerve. Fait que là, je suis comme, ben, ça va être ça. Ça va être ça, mon hook. Je vais parler. Écoute, dans 10 minutes, moi, je vais te gueuler ça dans le microphone, toi. Ben là, tant mieux. Je suis pas capable de rester basse, là. Je vais Ben, on va se balancer de même, c'est parfait. Bon, excellent. OK. Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue à Jake Didion's Joy of Digital Painting. Mon slogan, c'est une émission où il n'y a pas d'erreur, juste des accidents joyeux. Mais je pense que à chaque fois, je me trompe puis je dis l'inverse, mais vous comprenez, vous comprenez. Donc, il y a juste des erreurs joyeuses. C'est ça, exact. Puis c'est une belle philosophie de vie. En plus, on peut l'appliquer à tout. Donc, ben là, vous l'entendez déjà, mais juste avant de jaser avec mon invité, je veux juste vous rappeler que Joy of Painting, ce soir, est en partenariat avec le Festival Québec BD. Ça, c'est vraiment hot, là. Ça fait longtemps que ça existe. Puis, en fait, on est comme en espèce de... partenariat, mais tu sais, co-organisation. Fait que tu sais, ils essaient de trouver des invités, puis moi, j'essaie de leur proposer des trucs, puis à date, ils sont bien willing. Puis
si vous voulez voir ce qu'ils font, parce qu'eux autres, ils n'ont pas décidé de faire un festival de BD genre pendant une semaine, là, comme tout le monde. Là. Eux autres, ils ont décidé de faire ça pendant genre 2 mois. Puis, à tous les jours, il y a de quoi. Fait que vous allez sur le site de quebecbd.com, puis là, vous allez voir un onglet « Festival ». Cliquez là-dessus, vous allez voir la programmation. Puis, pour vrai, Sviane, je ne sais pas si... Je sais que tu as participé à l'émission de Raymond Poirier, mais ouais. Tu sais, il y a des entrevues avec les auteurs de BD, mais je ne sais pas si tu as vu le reste, mais tu sais, ils font vraiment des affaires hot, là. C'est, ouais, j'ai vu, il y avait des dédicaces, des émissions de télé, ben, un truc avec... c'est dans lequel j'avais participé. En tout cas, ça vaut la peine d'aller voir. Mais hein, tu sais, il y a l'atelier de Jim Beaulieu, entre autres, qui est là. Puis ils ont même fait des matchs de lutte. Ah oui, c'est quoi cette affaire-là? Fait que moi, mais je sais pas. Fait que je sais pas exactement, tu sais, je connais pas assez ça, là, mais je pense que dans le fond, ils utilisent un jeu vidéo où tu peux, tu sais, customiser tes personnages. Puis, fait qu'ils font plein de personnages de BD. Fait que, mettons, tu vas avoir Gaston Lagaffe qui se bat contre Hulk, genre. Puis, ils ont mis, je pense que bientôt, c'est pas ce soir, mais en tout cas, je sais que c'est bientôt, c'est Paul de Michel Rabagliati. Fait qu'il va se battre d'un match de lutte. Moi, je trouve ça tordant. Je trouve ça vraiment hot. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'allez voir ça. Sinon, ben aussi, je vous rappelle que le Patreon, c'est ça qui fait que le show y est possible. Fait que si c'est votre première fois, bienvenue. Si vous êtes déjà membre du Patreon, ben vous savez qu'est-ce que vous avez en échange. Vous avez plein de BD, des comic books, des dessins exclusifs que je poste là-dessus. Puis, tu sais, il y a vraiment beaucoup de stock, là. Fait que c'est bien cool. Puis, c'est pour environ, là, un pad de taille par année. Fait que si vous me payez un pad de taille par année... Ben, vous avez genre 300 pages de BD en échange. Fait que c'est quand même un bon deal. Toi, ta vie financière, c'est tu comptes ça en pas de taille. Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme combien de pas de taille je peux toffer jusqu'à 75 ans. Puis là, je suis comme, d'après moi, là, je suis bon pour en avoir jusqu'à 80. Fait que je suis bien content. J'ai beaucoup de pas de taille. Faut que j'y mange au fur et à mesure. Par exemple, je peux pas les additionner. Fait que c'est un peu... Ça congèle. C'est ça. Fait que là, écoute, je t'ai pas préparé une intro, mais les gens t'entendent depuis tantôt. D'ailleurs, vous pouvez, les gens qui nous écoutent live, vous pouvez nous écrire puis nous poser des questions en même temps qu'on jase. Je vois qu'il y a déjà Caroline Brou, qui est ma trooper habituelle. Allô, Cab, on t'aime. Puis, il y a les joutes du divan qui sont là, Joe Ranger, Fage, fait que Danick, allô Danick. Fait que mon invité à soir, c'est Sviane. Allô Sviane. Allô Jay. Toi, t'aimes-tu mieux auteur de BD, autrice de BD, BDiste, c'est quoi ton terme préféré? Je m'en sacre. Ben, ok, je te comprends, mais moi, genre, je sais pas pourquoi, puis ça doit être genre de l'insécurité ou de quoi, mais BDiste. Ouais. Ça me gosse. Ben, avant, ça me gossait, BDiste, jusqu'à temps qu'il commence à avoir, genre, autrice et tout. Ouais. Parce que BDiste, le gros avantage, c'est que c'est épicène. Ouais. Fait que t'as pas les tu t'en fâches pas. Moi, j'ai encore de la misère avec autrice, là, je dis auteur, puis après ça, j'avais écrit en joke sur Facebook que j'étais auteuresse. Mais ça, c'était avant qu'autrice arrive. Là, je suis comme, BDiste, c'est moins compliqué, là, je m'en fâche moins. Ouais, mais ouais, pour ouais. Vrai, je m'en fous bien raide, là. Moi, c'est parce que je trouve que BDS, ça sonne comme petit pénis. ça vient me chercher. Écoute, je sais pas ce que ça me dit sur moi. Là. Je pense que c'est de l'insécurité de ma part. Je suis comme, pourquoi vous m'appelez petit pénis? Non, non, on a dit BDS. Là. Ah, OK. D'habitude, ben, c'est ça, tout le monde que j'invite, tu sais, dans le fond, le but de cette émission-là, c'est souvent du monde qui font de la BD ou qui s'intéresse à la BD. Puis souvent, le monde y écoute ça, tu sais, en travaillant ou en dessinant. Fait que, tu sais, c'est cool parce qu'on dessine ensemble. Puis d'habitude, tu sais, il y a des invités qui préfèrent, tu sais, travailler sur le truc. Mais là, toi, tu as décidé que tu voulais dessiner avec moi sur le même dessin. Fait que ça, je pense qu'on a... J'aime ça, les collaborations. Mais je suis pas bonne pour starter, moi. J'aime mieux que comme c'est toi qui starte, puis après ça, je viens comme... OK.
Ben, Viens sur ton dessin. c'est exactement ça qu'on va faire. Puis on va prendre aussi les suggestions du monde. Fait que vous avez juste à écrire, genre. Oui, donnez-nous des thèmes. Qu'est-ce Ouais. que vous voulez qu'on dessine? C'est ça. Fait que, Ou tu sais, juste une genre. direction, là. Exact. T'sais, puis même, ça peut être des mots random. Puis on essaie de faire du sens de tout ça. Moi, j'ai bien aimé que. Tu sais, je t'ai envoyé le lien du site. D'ailleurs, t'as-tu reçu le lien? Le nouveau lien? OK, c'est bon. Puis là, tu sais, je voulais t'expliquer, tu sais, ouais, tu sais, tu checkeras, c'est comme un Photoshop, mais pas tout à fait. Puis là, je t'expliquais Airbrush, puis tu m'as dit, ben moi, j'aimerais ça que ça ait l'air, tu sais, comme dessiné à l'ordi cheap, là. Puis là, j'ai fait. Pixelisé, tout ça, Fait que ça, c'est. J'ai dit, OK, si Sylviane a fait ça, j'embarque. Fait que moi aussi, je veux. tu sais. Fait que ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a aucune pression dans, tu sais, avec la tablette graphique. C'est comme, même si on pèse fort ou pas fort, le trait y est pareil. Fait que, déjà, je pense qu'il y a une chix qui est en train de monter mon requin. Fait que de surfer dessus. Fait que c'est parfait. Je pense que le dessin Et puis si, c'est ça, si jamais, genre, on le remplit, parce que d'habitude, je dis tout le temps, genre, faut pas dessiner trop gros pour, t'sais, pour nous donner le temps, mais si jamais va être. on C'est ça, là, ça va remplit, durer 2 minutes, là. ben c'est ça, mais on a juste à restarter un nouveau, t'sais, whatever, là. C'est bon. Ou dessiner par-dessus à l'infini, parce qu'on peut rajouter des layers, t'sais. Ouh, c'est ça. Fait que là, il y a Phage que tout de suite, lui, en partant, il dit Resident Evil. T'es-tu une gamer, toi? Pas une gameuse, pas un peu. Ouais, c'est ça. Toi? Parce que j'avais ce feeling-là, j'étais pas sûr. Mais c'est parce que j'ai l'impression que toi, ado, c'était plus. Mais Pour quand que. j'étais ado, je jouais à Diablo. Ah, ouais. J'ai vraiment joué à Diablo au bout, là, sur Battle.net, là, puis on avait tous des trucs, là, pour copier des items, là, c'était comme pas super légal, mais qu'on faisait pareil. Il y avait la guilde, mon frère, il y avait une guilde, la guilde des chevaliers du lys. Oh C'était shit. les Québécois qui jouaient à Diablo. Sinon, moi, j'étais plus gamers comme je jouais à des jeux de Sierra, là. C'est King Quest, Space Quest, Phantasmagoria, les affaires de main avec des histoires, là. J'aimais bien gros ça. Mais tu Mais vois, je suis à pas trop partir sûr de de savoir c'est quoi. secondaire 3, je sais pas c'est quoi. King Mais c'était comme Quest, ça des me dit. point and click à la base. Ah oui. T'avais une histoire, t'étais un personnage, puis t'étais en interaction avec ton environnement puis d'autres personnages. Au début, quand j'ai commencé à jouer à ça, c'était fallait écrire le texte, genre look mirror, c'était tout en anglais. OK. Mais après ça, c'est devenu un point and click, puis j'aimais bien gros ça jouer à ça, mais ça a comme pas duré. Ça, je sais pas, vers peut-être l'âge de secondaire 3, là, j'ai commencé à me désintéresser un peu des jeux parce que j'aimais plus dessiner. Ouais. Moi, c'est ça que je faisais, c'est que quand j'étais ado, même si j'ai tout le temps aimé les jeux vidéo, j'aimais mieux genre voir mes amis jouer puis dessiner à côté des autres, là. Ça, je trippais, puis j'aime encore ça, faire ça. T'sais, ça m'arrive souvent, mettons, de genre écouter un film ou de quoi, puis de dessiner en même temps. T'sais, c'est comme de même j'ai appris à dessiner un peu, là, en tout le temps, Mais ayant de quoi dans tu le rates pas le background. film un peu? Ben, c'est Quand tu ça, fais ça dans un temps qu'un film? c'est qu'il faut choisir ses films. T'sais, je peux pas, mettons, t'sais, comme dernièrement, il y a Nomadland là, qui est sorti, t'sais. Tu peux pas écouter genre un film super ambiant, super deep en dessinant. Mais tu sais, il y en a d'autres qui se portent super bien à ça. Puis, tu sais, mettons un film où je sais pas, tu sais, où les dialogues sont plus importants, où, où que la musique est bonne. Genre, tu sais, ou des films que tu as déjà vus, tu sais, genre Drive, que la musique est bonne, puis l'ambiance est cool. Ou, tu sais, Moi, j'ai dessiné en écoutant des Colombos. avec les quoi? Des Colombos? Oui, ben OK, oui, le détective. Je faisais ça. Mais là, ça fait un bout que je faisais ça, mais Colombo, je l'aime tellement, là, puis j'aime ça le dessiner, en fait. Il me fascine comme personnage. Fait que souvent. Puis aussi, tous les personnages, ils ont comme. Je sais pas comment dire, là, mais ils sont vraiment.
toutes bien designées. Ils ont toutes l'air comme des espèces de riches salauds avec des espèces de gueules. Fait que, ils sont toutes vraiment caricaturaux. Fait que, j'aimais bien gros ça, dessiner les personnages de Colombo. Puis Columbo, il y a toujours une dernière petite question, là. Ouais! Ça revient souvent à ça. La structure est pas mal tout le temps la même, mais je pense que c'est ça qui fait le charme de la patente, là. J'aurais quand même une dernière petite question. Tu sais, genre, me semble. Ben, on pourrait dessiner Columbo, moi, ça me tente. Attends, il faut qu'il soit intégré dans notre dessin. Non, mais moi, je viens de dessiner. Attends, je prends ma pipette. Je viens de dessiner que la fille, elle n'a pas de pantalon. Wouhou! J'essaie de faire l'espèce d'ombre comme tu fais, mais je suis comme pas vraiment capable. J'essaie de quoi? Puis là, elle a comme pas de pied. Ouais. Fait qu'il faudrait bien que je fasse un pied. Ben Attends, je oui, peux. il reste la place, là. Ouais, mais elle est bleue quand même. Fait que là, faut que je Ben, te c'est le un petit peu dise, dans l'eau. tantôt, on s'est parlé, tu sais, on a fait un petit test de son puis tout. Puis là, j'étais en train de dire que j'étais en train de lire ta dernière BD, que Ouh, yo-yo, la la la. Yo-Yo La La La. Puis c'est Ouais. le titre le plus fun, fait que merci pour ça, parce que, tu sais, genre, c'est le fun juste dire le titre. T'as-tu lu Yo-Yo La La La? Puis puis faut que Un je peu sois... random. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu aussi à l'image de la jungle, c'est-à-dire, Ouais. c'est Mais ton... pour vrai, là, Vas-y. yo-yo, la la la, là, c'était mon le titre que j'ai écrit quand j'ai fait le fichier de design, puis que, tu sais, quand tu tapes n'importe quoi sur un clavier, là, juste parce que tu sais pas encore c'est quoi le titre, tu fais juste ah, yo-yo, la la la. C'est resté! Ah, c'est malade. Je trouve que ça fait punk, moi, ça. Ah, c'est bien bon. Mais ouais, c'est ça. Faut que je sois honnête parce que je l'ai pas fini. Ouais. Puis la raison pourquoi je l'ai pas fini, Ben, dis donc, allez, quand même. c'est ça, c'est que en fait, je me suis rendu compte à cause de la structure. Puis ça, je venais d'en jaser parce qu'on en parle souvent, genre en BD, comment que c'est dur de contrôler le rythme, genre. Puis tu sais, Ouais. souvent, tu sais, les gens vont passer à travers une BD vite parce qu'ils veulent voir qu'est-ce qui va arriver, ou, tu sais, etc. Puis ils prennent pas nécessairement le temps des pauses ou whatever. Puis c'est ça, je me suis rendu compte que là, j'étais en train de la lire vite parce que je voulais la finir avant, tu sais, de faire l'émission avec toi. OK, ouais. Puis là, j'étais comme, non, faut pas. T'es mieux de pas l'avoir fini, mais d'apprécier la BD, tu sais, que Ouais. d'essayer de la rusher, parce que, tu sais, c'est ça, il y a du stock dedans, puis aussi, c'est comme, tu passes d'un univers à l'autre, souvent, tu sais. Fait que Ouais. si t'essayes de lire ça vite, je trouve ça poche. Ben, j'ai essayé de, pour les gens, là, de manière générale. Il est donc bien drôle, ton requin, il y a comme des petits moignons. Mais ouais, pour la jungle, j'essayais de faire, c'est parce que je me sentais un peu mal de faire un zine qui coûtait 30$. Parce que c'est quand même cher pour un livre c'est quoi, qui a une centaine de pages en couleur. Fait que j'ai comme pris le parti de faire un livre vraiment dense. C'est-à-dire que c'est long à lire. T'en as pour ton 30$, tu sais. Ce qui fait en sorte que, tu sais, souvent, avant de l'envoyer à l'imprimeur, souvent, je le fais lire à mon chum, c'est comme mon test. Puis on se time. On met un chronomètre et on voit combien de temps ça prend à lire. Tu sais, c'est rare que c'est en bas d'une heure et demie de lecture. Ouais, c'est hot. Ben, faut Hey. dire aussi que mon chum, c'est le français, c'est sa troisième langue. Qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est bon, c'est bon. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que la jungle, c'est long à lire. Ouais, mais c'est en même temps, man, je trouve ça tellement brillant comme idée. Moi, j'ai jamais fait ça, là, genre, mettons mon découpage ou, tu sais, mon sketch, puis me starter un chrono, puis checker combien de temps ça prend, parce que je me rappelle quand j'ai travaillé sur Jardin mécanique, tu sais, j'ai travaillé là-dessus Jardin un an. mécanique, c'est quoi ça? Ouais, c'est un band de musique qui m'avait engagé pour faire une BD. Puis on a fait un Okay. socio-financement, puis ça a vraiment super bien été. C'était vraiment une belle expérience. Les gars, c'est devenu des amis. Puis il y en a un qui est venu m'aider à déménager, là. Fait que, juste Non, pour ouais, te c'est cool. dire, ouais, c'est vraiment, c'est une super belle rencontre.
Mais bref, j'ai travaillé là-dessus, tu sais, pendant un an. Puis Ouais. quand la BD est sortie, il y a du monde, tu sais, qui m'écrivait. Puis il était comme, ah, man, j'ai dévoré ça, là, en 20 minutes. Puis là, j'étais comme, ouch! Non, non! Ça fait mal, là. Ah, ouais, non, écoute, je sais exactement de quoi tu parles. Tu sais, c'est pas toutes les BD qui sont denses, mais tu passes tellement de temps sur la bande dessinée, les gens, ils tournent les pages, blablabla, c'est fini, là, je trouve ça tellement déprimant. C'est ça, tu sais, Fait puis... que, bref. Fait que bref, je voulais pas vivre ça avec Yo-Yo La La La. Écoute, prends ton temps pour le lire. Ouais. Tu vivras la BD, puis c'est le fun, par exemple, parce que ça me prend. Oups, ça me prend pas. T'sais, mettons Yo-Yo La La La, l'affaire qui est le fun avec toutes les gènes, c'est que oui, c'est dense, mais c'est pas hyper long à faire, dans le sens que je vais jamais passer plus que 2 mois sur le contenu. Ben, non. Par la gêne au complet, ça me prend entre 3 et 4 mois. Pour Mais tu sais, vrai. si tu compares, mettons, à mon prochain livre qui va sortir probablement en 2022, lui, il va m'avoir pris 6 ans. OK. Fait que j'espère qu'il va pas. Mais je pense pas qu'il va être lisible en 5 minutes, là. Ça va être une grosse brique, là. Mais tu sais, ben là, je suis en train un peu de parler de quelque chose qui est dans quelque chose aussi, parce que dans la jungle, il y a comme deux parties. Ouais. Il y a la partie qui est un petit peu plus random, qui parle de mon expérience avec les autistes, etc. Ouais. Puis la deuxième partie, c'est un chapitre d'une histoire à suivre, mais c'est ça mon histoire longue. Fait que, tu sais, oui, j'ai commencé en 2016, mais j'ai pas fait ça à temps plein. J'alternais entre un chapitre de Football Fantasy, le reste de la jungle. En fait, un chapitre de Football Fantasy, le reste de la jungle. Un chapitre de Football Fantasy, la jungle. Fait que c'était le fun de pas toujours travailler sur le même projet, tu sais, d'alterner pour m'amener je me suis rendu compte en travaillant sur d'autres choses dans les interstices de mon travail sur la jungle que ça nourrissait beaucoup de Football Fantasy, je veux dire. Il y a beaucoup de stock random qui se ramassait dans mon histoire longue. Tu sais, ça s'est vraiment entrenouillé, je sais pas comment Ouais, ouais, expliquer ouais, avec des mots plus élégants, là. Mais c'est ça. J'ai bien, bien, bien hâte d'avoir fini ce livre. ouais. Hey, mais ça, fait que c'est là-dessus que t'es, là. Tantôt, tu m'as envoyé des pages. OK, fait que c'est ça. Puis Ouais, je travaille là-dessus cet après-midi. c'est un autre style de dessin et tout. Ben ouais, j'ai essayé de faire un livre au complet, pas de crayonné. Ouais, c'est Puis, ça. tu sais, c'est vraiment un dessin vraiment plus tout croche, là. Puis vraiment avec comme plein de défauts dedans, mais puis là aussi j'ai choisi un médium de marde, là. Ça c'est une autre, tu sais, j'avais choisi un crayon, une sorte de crayon là, qui est comme les G-Tech, là, c'est des crayons super fins qui sont comme des crayons gel un peu. Ouais. Je les aimais beaucoup, puis j'aime encore beaucoup ça, mais l'affaire c'est que je sais pas, ils ont changé la recette, ils ont commencé à bloquer un peu. Fait que des fois, je sacre après mes crayons, mais tu sais, t'as pas un trait, le trait est vraiment nerveux, il est vraiment sensible. Fait que tu sais, souvent, je fais des dessins, puis les formes sont pas tout à fait fermées, il y a des lignes qui dépassent. Je suis pas super patiente en dessin non plus, fait que mes dessins, j'étais super vite. Fait que tu sais, c'est un dessin un peu botché, mais l'histoire est pas botchée. Fait que j'ose espérer que les gens vont lire ça, puis ils vont pas dire que c'est une BD botchée, mais c'est un peu botché, je sais pas, en tout Ouais, cas. puis je comprends qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis botché, parce que c'est comme, tu sais, c'est tout croche, mais en même temps, je trouve que c'est, tu sais, c'est vraiment différent des autres affaires que tu as faites. Tu sais, c'est comme super dynamique, là. Tu t'exagères tout le temps les perspectives, les proportions. Puis Ouais. ça, c'est comme la Mais première fois j'essayais que je te vois d'avoir un faire ça. dessin qui était postiste. Excuse, je t'ai pas parlé. Non, vas-y, vas-y. J'essayais d'avoir un dessin qui était postiste parce que mes dessins, généralement, sont un peu stiffs. Fait que j'essayais de pousser dans l'autre sens. En tout cas, j'ai essayé des affaires. C'est vraiment le fun. Ben, c'était vraiment le fun. C'est encore le fun, parce que j'ai pas fini. Puis ça, tu penses avoir fini ce cas, tu sais-tu? Ben, il me reste 40 pages à faire, c'est genre 450. OK. Fait que c'est vraiment pas long, Ouais. là. Ben, je dis ça en même temps. J'en finis bientôt le premier jet. Parce qu'après ça, quand je vais avoir les 550 pages, 450 pages, tu sais,
Il y a déjà des choses. J'ai commencé ça fait super longtemps. Là. Mon dessin, il a changé un peu. J'ai changé de typo en plein milieu. Fait qu'il va tout falloir que je refasse la typo de la première moitié. Il y a deux, trois scènes que j'aimerais rajouter. Il y a des cases que j'aimais pas, que j'aimerais refaire. Fait que, tu sais, il va y avoir un travail d'adaptation, là, de redessiner peut-être un peu les premières pages aussi. Ouais, puis ça, Fait que, tu sais, c'est quand je vais en dangereux, finir. là. C'est Ben, c'est dangereux ça faire ça, l'affaire, hein? c'est que Ouais. je veux pas tomber dans le piège de tout redessiner au complet, mais je pense pas que je vais tomber dans ce piège-là parce que j'ai pas la patience pour. Ouais. Mais quand même, je veux que ça soit un livre sur la couche, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, parce que tu sais, le problème, c'est genre, OK, ben, les trois premières pages sont un peu plus lettes, tu sais, c'est. Fait que je vais juste refaire ceux-là, mais là, tu compares avec la fin. Non, mais C'est ça. tu mets le doigt dans l'engrenage, là, et là, ça finit pas, là. Il y a Cab qui nous écrit C'est donc ben un chef-d'œuvre à date. Puis en passant, le soleil, ça vient de ta BD. Parce que. Oui! C'est drôle parce que j'ai publié une autre BD dans la planche d'une courte histoire. Puis c'était comme semi t'sais, de l'autofiction, whatever. Puis je voulais, genre, faire l'émotion de quand le soleil se lève, c'est agressant, t'sais. Comme, t'sais, quelqu'un qui a fait le party toute la nuit, puis là, le soleil se lève, mais t'sais, c'est pas un beau soleil. Puis là, j'étais comme, je pensais à ces genres de fresques-là médiévales, lettres, là. Que le soleil, il est tout le temps creepy, puis on dirait qu'il est méchant, là. Puis là, quand j'ai vu ça dans Ouais, ta BD, j'étais exactement. crampé, j'étais comme, Asti, on a eu la même émotion. Oui, mais c'est drôle, cette page-là, j'étais supposée la mettre dans le premier numéro de la jungle, c'était comme mon filler. À chaque fois que que je devais comme... Parce que c'est ça qui est le fun avec la jungle, c'est que c'est un peu improvisé, là, comme affaire. Fait que je mets tout le temps comme... Tu sais, je m'ouvre un fichier InDesign, puis je mets plein de pages qui n'ont pas rapport. Des fois, je fouille dans mes tiroirs, je mets des dessins, puis je sais que tout est temporaire, puis je remplace au fur et à mesure qu'est-ce que je mets, là. Ah, là, j'ai une BD de 4 pages, fait qu'il y a plein d'affaires que je vais remplacer les 4 pages par quelque chose de frais. Puis, comme de fait, des fois, il y a tout le temps une page tout seul qui reste, que je sais pas quoi mettre, puis je mettais tout le temps la page des soleils. Pourquoi les pages de soleil sont toujours nettes? Là, j'avais ça dans le 1, puis là, après ça, j'ai remplacé cette page-là par quelque chose d'autre. Mais quand j'ai commencé le 2, je l'ai mis là. Puis le 2, je l'ai fini par le remplacer. Dans le 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y avait toujours là. Là, enfin, je l'ai mis ma maudite page de soleil lettre qui était dans le numéro 8. Fait que voilà, c'est de là que ça vient, les soleils lettres. Je Ça trouve vient ça. des livres... Ouais. Je trouve ça fit en plus avec le thème parce que c'est comme le reject qui se fait tout le temps repousser, là. Puis c'est comme ben le Ouais. thème, c'est que le soleil il est lettre. Puis. Ouais. Hey, Axel qui vient de se joindre à nous, dit Allô, Sviane, allô, Jake. Allô, Puis elle aussi. Elle aussi, elle capote sur notre dessin. Fait que. Sinon, il y a Antoine Boulet qui vient de t'écrire, qui dit qu'il y a plusieurs de tes livres chez lui, mais qui serait, yeah. il serait yes, il serait curieux de savoir à quoi le style, le nouveau style qu'on parlait tantôt, ça ressemble. Ben, si tu veux, dans le fond, c'est dans Yo-Yo La La La. Tu vas le voir à la fin, tu sais. Puis c'est comme de la couleur en aplat avec, c'est ça, tu sais. Je trouve ça malade de penser que t'as pas fait de crayonné en dessous. Ah oui, ça C'est. c'est une aventure. Mais des fois, je triche, là, c'est-à-dire que ben je triche. J'ai droit à mettre du liquid paper. Ouais. Et des fois, quand je rate mon dessin, c'est ça l'affaire, c'est que souvent, moi, avant, quand je faisais des crayonnés, tu sais, tu gosses ton grainé, puis tu gosses, puis tu t'en fous, c'est quoi la ligne que tu fais en premier, tu sais, parce que tu fais un crayonné, puis tout peut se superposer. Quand Exact. tu commences à dessiner, pas de crayonné, il faut vraiment bien que tu choisisses ta première ligne. Puis, tu sais, c'est pas long que je me rends compte, ah, fuck, j'ai manqué ma case. Tu sais, ça arrive peut-être une fois par page ou une fois par 2 pages. Puis souvent, ce que je fais, c'est que je découpe je refais ma case, mettons, par-dessus. Pas la table lumineuse parce que mes papiers sont un peu transparents et j'ai pas besoin, hein. Ouais. Mais je les découpe et je les colle par-dessus. Fait que j'ai beaucoup de rustine, puis de liquid paper. Fait que oui, je fais pas de crayonné, mais il y a quand même de la correction.
C'est ça, tu as comme un Ouais. mini filet, mais ce que ça fait, c'est que ça l'enlève, l'espèce de doute, là. C'est genre, OK, je me pitche, tu sais. Ça, tu te pitches dans le vide à chaque case, même Ah, je si. me fiche dans le vide au bout, là. Puis je te dirais que 3 fois sur 5, mes dessins, je trouve que c'est de Ouais. la merde. En fait, c'est surtout que j'ai un découpage. Souvent, mais ça, c'est classique, là. Je pense que tout le monde a ce problème-là. Le dessin du découpage est meilleur que le dessin de l'ancrage. Ouais. Puis on est chanceux C'est parce que les ce que lecteurs, ils l'ont pas vu. Fait qu'eux autres, ils s'en je... foutent. Il y a juste Non! nous Mais autres c'est qui ça le que je voient. me dis, tu sais. Je fais comment, mon dessin, il est pas à mon goût, mais il y a personne d'autre qui a vu d'autres dessins, fait que c'est correct. Mais je me rappelle, à un moment donné, j'avais comme eu une espèce de petite crise existentielle envers la BD, là, parce que je travaillais avec mon chum Doom. Puis on faisait de la grosse BD de genre, puis on était bien gros inspiré du manga. Puis moi, j'avais dans Ah la. oui, faut que tu sois vraiment en tête, là. Ouais, c'est ça. Puis j'avais comme dans. T'sais, encore dans mon ancienne mentalité que. Puis j'étais dans le champ, là, en passant, là, mais que, t'sais, je voyais comme une hiérarchie dans l'art, t'sais. Je voyais des artistes Ouais. hot, puis des artistes moins hot. Ce qui est complètement absurde quand tu y penses 2 minutes, mais tu sais, j'étais encore dans ce mindset-là. Puis, Oui. tu sais, on n'arrêtait pas de pitcher des affaires, puis ça marchait pas, puis on était comme frustrés. Puis après ça, on voyait, tu sais, mettons, des BD québécoises qui avaient du succès, mais t'es comme, tu sais, c'est comme. Je me rappelle un moment en entrevue, tu sais, Sam Quentin disait, ouais, tu sais, à un moment donné, j'ai fait comme 32 pages en une semaine, tu sais. Puis là, on était comme, Ouais. ouais, mais là, attends, là. Tu sais, genre, c'est. Ouais. Puis, je m'étais comme, pas choqué, mais on voulait comme un peu être punk rock. Puis, on a fait, OK, man, notre prochaine BD, là, on la fait en 24 heures. Tu sais. Ah ouais. Puis, ouais, on a fait un petit fanzine. Puis, tu sais, c'était comme, c'était pour l'exposine. Fait qu'on avait imprimé, je sais pas quoi, tu sais, peut-être une centaine. Puis. Ah, je l'ai vu, ce pensée-là, c'était quoi le titre? Ben, on a fait deux. C'est qu'on a fait. On a fait trois, en fait. Le premier OK. s'appelait Crap. Le OK, c'est deuxième quoi s'appelait Grip. Puis le c'était exactement avec la technique que tu décris depuis tantôt, là. Tu sais, c'était comme pas de crayonné. On y va deuxième? Ouais. direct. Tu sais, je lisais une page de script, puis je la dessinais. Je lisais l'autre, je la dessinais. Tu sais, il n'y avait même pas de découpage Direct. avant, rien. Puis tu sais. Ouais. C'est sportif, là. Ouais, mais ce qui est incroyable, c'est que ça m'a rappelé l'émotion de quand j'étais kid, puis je faisais des BD, puis que j'avais pas vraiment de plan, tu sais, puis c'était juste pour le fun. Fait que ce qui s'est voulu au départ comme une espèce de rébellion est devenu comme c'est ça qui m'a rappelé qu'est-ce que j'aimais de mon travail, tu sais. Puis Je là, j'ai comprends. fait, ouais, dans le fond, tu sais, faire des grilles de perspective, puis un char, puis des 18 000 fenêtres sur 18 000 buildings, c'est peut-être pas pour ça que je trippe à faire de la BD. C'est plus, tu sais, le côté libérateur de raconter une histoire, puis d'avoir une idée, puis de la faire tout de suite, puis tu sais. Fait que. Puis le pire, c'est que ça sent quand, tu sais, tu lis une BD, ça sent quand que l'autre, il est dynamique, il est spontané, puis il est dedans, tu sais. Puis. Ben, tu sais, dans Yo-Yo La La La, c'est plus vers la fin, fait que je me suis pas rendu là, mais tu sais, j'ai quand même feuilleté, puis tu sais, je l'ai devant moi, là, puis je suis comme, moi, je veux lire 500 pages de ça, là. Je trouve ça magnifique, pour vrai, que c'était fait, là. Je trouve tellement ça hot, là. Merci, c'est fin. Ah oui, Mais disons puis. que la partie yo-yo la la la, le style de dessin est vraiment différent que la fin de Football Fantasy, parce que je voulais, vu que c'était une BD sur l'autisme, je voulais un truc un peu plus minimaliste. Ouais. Puis là, je l'ai fait, tu sais, toutes mes formes sont fermées, le dessin est vraiment un peu plus clean, mais j'ai essayé quand même de pas faire de crayonné pour cette partie-là. OK. Tu sais, il y a eu beaucoup de tables lumineuses parce qu'il y a souvent des cases qui se répètent, là. Attends, mais là, je suis en train de dire n'importe quoi. Oui, j'ai dit n'importe quoi. Il y a eu des crayonnés dans cette partie-là. OK. J'ai tout fait sur, oui, hey, excuse-moi. Oui, le bout du Yo La La La, il y avait définitivement des crayonnés dedans. Fait que ça m'a, comme, ouais, je me suis, là, ça m'a replongé dans le monde crayonné, là, puis c'est tellement weird. On dirait que je trouvais le dessin comme,
tellement plus décourageant. Ouais. Parce qu'un crayonné, ça ressemble à rien, genre. Mmh. Mais quand j'ai ancré par-dessus mon crayonné, là, tout d'un coup, j'ai fait, ah oui, c'est ça. Tu sais, j'étais vraiment contente de mon dessin. Tu sais, il y a comme un, il y a vraiment un plaisir à ancrer un crayonné, là. Même si des fois, le crayonné est un peu comme pas à ton goût. Puis après ça, t'arrives à trouver la bonne ligne de l'ancrage. C'est quelque chose de vraiment satisfaisant là-dedans. Ouais, Que mais j'ai ça. pas avec Football Fantasy parce que c'est direct tout croche, ancrage. Puis, genre, je suis moins satisfaite du dessin, là. OK. Mais je comprends la nuance, je catch. Mais c'est ça qui est magnifique, c'est, tu sais, puis toi, c'est ça que tu fais bien, c'est que tu essayes tout, tu sais. Il n'y a pas, puis tu sais, je pense pas qu'à un moment donné, tu vas faire, et voilà, je l'ai trouvé, c'est ça que je vais faire le reste de ma vie, tu sais. Ça fait partie du trip Mais d'à chaque peut-être. fois. Ben peut-être, t'as raison, peut-être. Peut-être qu'un jour, tu sais, je suis peut-être juste trop cave. J'ai pas encore trouvé c'est quoi l'affaire, tu sais. En tout cas, je sais pas. Mais non, en même temps, je pense pas, là. Mais j'ai définitivement un style, même si, mettons, les deux styles de dessin de Football Fantasy puis de sont différents, il y a quand même une parenté entre les deux, là. Tu vois quand même que c'est ma patte, j'ai des expressions faciales, j'ai des tics de dessin, je m'en sors pas, Ben, puis t'es rendu là, je veux dire, t'as ta personnalité, là. Peu importe qu'est-ce que tu fais, ça va être toi, là. Ouais, mais j'aimerais ça, moi, faire du dessin puis que le monde ne reconnaisse pas. C'est un peu mon fantasme. Ouais. Ah, c'est la première fois que je trouve ça intéressant de dire ça. C'est la première fois que j'entends ça. Je suis comme, ah, ouais. OK. Explique-moi donc ton raisonnement. Pourquoi? Parce que, me semble, n'importe quel auteur, il serait comme Oh mon Dieu, content de se qu'est-ce faire que tu vas voir associer. comme pizza? C'est malade. Mon raisonnement. Tu sais, ben c'est drôle là, que tu dises ça. T'sais, moi, n'importe quel auteur à qui je parle, leur but, c'est de Ouais. se faire reconnaître par leur style. Fait que tu fais comme, non, Ouais, moi, j'aimerais je ça. sais pas. Ben, c'est parce qu'il y a tellement de styles de dessin qui m'attirent puis qui n'ont rien à voir avec mon style de dessin. J'aimerais ça dessiner comme les autres. Je pense que je suis peut-être juste jamais satisfaite de ce que je suis. Je suis un peu triste à dire, mais tu sais, je regarde des artistes. J'aimerais vraiment ça être capable de dessiner de manière réaliste, par exemple. Puis, tu sais, moi, ça a été mon gros curse pendant longtemps. Quand j'ai commencé la BD, moi, je voulais dessiner semi-réaliste comme les mangas, mettons. Ouais. T'sais, je l'avais pas pendant tout, là. J'étais pas capable d'observer. Tout ce que je faisais, c'est essayer de copier des dessins. Puis j'avais pas le réflexe de regarder dans la vraie vie, mettons. Fait que, t'sais, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant que je commence à catcher un peu les volumes, mais t'sais, même là, c'est pas gagné, là. La perspective, ça commence à rentrer, mais t'sais, ça fait quoi? Ça fait 14 ans que je fais de la BD puis je commence à comme catcher quelque chose dans les perspectives. D'ailleurs que je commence à fucker au bout parce que c'est plus facile de faire des perspectives fuckées. Mais ça pour dire que j'ai quand même un projet dans un avenir plus ou moins rapproché, c'est de prendre des cours de peinture OK, wow, ouais. pour essayer de faire du réalisme. J'aimerais vraiment ça être capable. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau que tu dises ça. Il paraît que. Tu te sens-tu. La question, ça va avoir l'air random, là, si jamais ça te met mal à l'aise. On peut parler d'autres choses, mais. Tu trouves-tu que tu vieillis bien? Ça va-tu sonner prétentieux que j'ai dit oui? Ben, c'est parce qu'il y a ça dans Yo-Yo La La La, tu sais, tu fais beaucoup de retours sur justement ce camp Ah, de jours-là avec les handicapés, puis sur tes réflexions, puis il y a une page que tu as faite qui m'a fait rire, mais qu'en même temps, elle m'a tellement crissé un miroir d'en face, puis c'est quand tu t'exprimes comment tu es fru contre les autres moniteurs, puis que tu trouves qu'ils n'ont pas rapport d'agir comme ils agissent, puis ils n'ont pas rapport de penser comme ils pensent, puis que toi, t'as catché, tu sais. Puis si tout le monde était comme toi, c'est là que ça irait bien, puis là, c'est juste le personnage qui se craint en marchant, puis tu vois que la route s'en va vers la dépression, là. Puis tu sais, moi, je l'ai eu, ça, exactement, ce même mindset-là de penser que je suis spécial, puis penser que je suis.
je suis plus que ce que les autres pensent de moi, puis que je vais laisser une trace dans l'histoire, puis tu sais, ça mène tout le temps à la même place, tu sais, ça mène à la dépression, fait. Ben, ça mène à genre, t'acceptes pas le monde tel qu'il est. Puis aussi, tu te D'une mets une certaine façon. pression à toi-même qui est tellement absurde, Oui. tu sais, qui est complètement irréaliste. Puis là, tu sais, je trouve juste ça beau parce que depuis tantôt, on parle de BD, puis tout, puis t'es comme, j'aimerais ça prendre des cours de peinture. Puis moi, je me suis tout le temps dit ça, genre, je veux être ce vieux-là, tu sais. Je veux être le vieux qui prend des cours, puis qui apprend à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait de sa vie à 60 ans, tu sais. Je veux apprendre à Ben écoute, programmer un jeu vidéo à 60 ans, genre, tu sais. ben tu sais, si aujourd'hui tu dis ça, il y a des bonnes chances qu'à 60 ans tu dis ça encore, là. Je pense pas que tu vas changer d'idée. Mais je sais pas, moi, pour répondre à ta question d'une autre façon, je pense que j'adore vieillir, genre je reviendrai jamais en arrière, tu sais. Ça me fait capoter quand je vois sur Internet du monde qui, mettons, qui ont une vingtaine d'années, qui sont comme « Ah, oh, c'est les plus belles années de ma vie! » Comme « Wow, la vingtaine, c'est les plus belles années de ta vie! » En tout cas, moi, dans mon cas personnel, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus la vie est bonne. Fait que, est-ce que c'est ça, bien vieillir? Peut-être que oui, je sais pas. Bien vieillir, c'est peut-être aussi par rapport à est-ce que tu atteins tes buts? Sauf que moi, j'avais pas vraiment de but à la base. J'avais pas vraiment de. En fait, j'avais des ambitions, puis je les ai juste toutes ratées. Fait que je m'en vais juste comme. Mais tu sais, je suis super contente de où est-ce que la vie m'a menée. Fait que. Ouais, je vais aller prendre des cours de peinture. Ouais. Puis tu sais, tu vas. Puis je pense que c'est ça aussi bien vieillir, c'est de catcher notre place dans le monde, puis de. Sais, de. Comment. Ben, cacher notre place dans le monde, c'est gros, là, ce que t'es en train de dire. Non, mais ce que Comme si on je. avait une flash, tu sais. Non, mais c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est de. C'est super dark, comment je vais le dire, mais. De nous Vas-y. rappeler qu'on est insignifiant, là. Fait que, tu sais, Ouais. je sais pas comment bien le dire, là, je suis pas bon, là, mais c'est, tu Eh sais, ouais, c'est ça. je trouve que d'avoir l'humilité de faire comme, ben, dans le fond, si c'est juste ça le temps que j'ai, ben, tu sais, on va faire des affaires plutôt que de penser à un legs qu'on va laisser pour l'humanité, tu sais. Ouais, mais je pense qu'on est beaucoup d'artistes à penser ça quand on est jeune. Ouais. Surtout, moi j'ai pas étudié en dessin, mais j'ai étudié en musique. Puis waouh, j'étais vraiment dans ce mindset-là, là. J'étais genre, j'étudie en composition, il faut que je sois Jean-Sébastien Bach. Ouais. T'sais, ça me mettait tellement dans une position pas rapport, dans le sens où est-ce que j'essayais d'être qu'est-ce que j'étais pas. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai quitté l'université, j'ai plus jamais composé après. Non, plus jamais, c'est pas vrai, j'ai composé un peu, mais tu sais, ça a été pas mal fini, là, la composition initiale. Alors que en bande dessinée, j'étais pas dans un milieu institutionnel où est-ce que j'essayais pas d'être quelque chose d'autre que qu'est-ce que j'étais. Je m'en foutais un peu de la BD, en fait. Je faisais juste des BD dans mes fanzines, dans un blog. Ça a été une bénédiction pour moi parce que je me suis jamais vraiment comparée aux autres. Je me suis pas comparée non plus aux grands auteurs. Puis j'essayais pas d'être à leur entre guillemets niveau parce que de toute façon je m'en foutais. C'est pas ça que je voulais faire dans la vie. Ça t'a enlevé une pression, là, t'sais, de Ouais, envers exactement. toi-même, J'avais bien. pas cette pression-là. Alors qu'en musique, je l'avais au bout. Puis tu sais, comme de fait, ça a été fini là, la composition après. Puis tu dis, tantôt, t'as comme hésité, t'as fait, ah, je compose encore un peu, parce que t'sais, j'ai vu que t'as posté des trucs sur YouTube où tu joues du piano. Mais c'est-tu des compos, ça, ou Ouais. c'est. C'est plus des tunes d'autres personnes. Mais, tu sais, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, j'ai fait une petite compo. Ça faisait longtemps, là, mais en fait, c'est une moitié de compo parce que j'ai juste jazzé sur quelque chose qui existait déjà pour un de mes amis qui fait une BD qui s'appelle Mécaniki, qui OK. demande à des auteurs de BD de faire des bonus. Puis moi, au lieu de faire mon bonus en BD, j'ai fait un bonus en musique parce que le gars il est musicien aussi. Puis, tu sais, j'ai ressorti mon papier à musique, puis j'ai composé comme une sorte de petite valse niaiseuse, mais tu sais, j'ai mis du cœur, j'étais comme, hein? Fait que c'est le fun. OK, c'est hot. Hey, tantôt, je te parlais de mes fanzines que j'ai faites avec Dominique Carrier. Ouais.
je veux qu'on lui dise un petit allô parce que sa blonde et lui écoutent le show en ce moment. Et c'est surtout parce Salut, que c'est la fête à Dominique. Fait que, ben oui, c'est sa fête. Puis écoute, il y a eu plein de beaux cadeaux. On s'est parlé tantôt. Il a de l'air ben de bonne humeur. Puis moi, je voulais aussi diriger les gens qui nous écoutent vers sa BD parce qu'il a commencé à faire un comic strip. Jean-Luc Wolf. Jean-Luc Wolf. Non, attends, c'est Jean-Luc Wolf. Wolf. Et boy, Doom, dis-nous les dons, là. Et boy, attends un peu. On va aller voir. Là, allez lire ça. Excellent. J'ai le lien sur mon blog. Oui, le lien il est sur ton blog, c'est vrai. Oui. Fait que là, attends, je suis en train de chercher, là. Moi, je le suis sur Instagram, fait que... Bon. Mais checker Jean-Luc Wolf sur Instagram, puis vous allez trouver le lien dans sa vidéo. Ouais. Bon, puis il y a Jean-Michel Berthiaume qui est là avec nous autres. Bonne fête, Doom. Bon, ben, allô, bonne fête! Bonne fête! Là, je sais pas si tu veux que je dise ton âge, là, mais en tout cas, je te garde là. C'est Jean-Luc Wolf. Wolf comme Wouf, là. Wouf! Exact, c'est ça. Puis, pour vrai, je trouve ça tellement hot qu'elle ait fait ça parce que, tu sais, pendant le temps des fêtes derniers, moi, j'étais comme, là, à cause de la pandémie, on est comme dans une vague de consommer beaucoup de contenu, genre. Mais je suis comme, mais ça, ouais. Là, c'est... Il faut que ça donne de quoi en échange. Fait que, tu sais, j'ai encouragé les gens, genre, comme, à créer. J'étais comme, peu importe c'est quoi, là. Créer du contenu en échange de consommer du contenu. Exact, tu sais, puis pas nécessairement pour les autres, pas pour faire de l'argent, mais, tu sais, pour l'âme, là. Parce que... Ouais. À un moment donné, tu sais, si écouter Netflix, ça devient un job, là, puis, tu sais, que t'as rien d'autre à faire, puis tu fais juste ça, c'est comme... Puis ça fait du bien créer de quoi, puis ça te donne l'impression que tu avances dans la vie, puis que tu sais, t'es fier de toi après, puis bref, tu es en train de bâtir quelque chose. T'sais. Puis pas longtemps après, Doom a commencé son strip, puis j'étais comme, oh wow, puis tu sais, c'est tellement lui en plus, là. Puis il y a tout le temps, je dis tout le temps, c'est pas vrai, mais il a commencé à dessiner, tu sais, il a fait les Inktober, puis pour les gens qui connaissent oui, pas Doom... il avait fait les 24 heures aussi. Ouais, c'est ça, exact, le 24 heures, il était malade. Puis tu sais, pour les gens qui connaissent pas Dominique Carrier, c'est, tu sais, on a collaboré ensemble sur un paquet de BD, mais à la base, c'est pas un dessinateur. Puis moi, c'est ça que j'admire. Mais là, il s'en vient, un dessinateur. Ben, c'est ça, exactement, puis c'est ça que j'admire mais le plus. Il s'en vient, c'est un dessinateur, il dessine. Ben oui, c'est ça. C'est un dessinateur maintenant. On peut pas dire il va en devenir un. Il en est un. Il en est un, oui. Puis tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt sur bien vieillir, c'est ça, là. C'est comme continuer à vouloir apprendre, continuer à se lancer des nouveaux défis, des nouveaux projets. Fait que. Ouais, faire des affaires que t'as jamais fait avant. Exact. Fait que, ben, bonne fête, man. Puis on est fiers de toi. Puis je l'aime en Christ, ta BD. Là, il y a du Van Gogh là, dans ce qu'on fait. Là. Mais moi, je fais juste t'imiter, hein. Oui, c'est comme il y a une symétrie, là. Mais je sais pas si tu as remarqué, mais moi, ma pizza qui sort de l'eau, c'est une pizza sirène. Elle a une petite queue là, de sirène. Ben, moi aussi, c'est un gars sirène, mais on voit pas sa queue parce qu'il est dans l'eau. Ah, ok, c'est bon. Puis on peut dire que c'est dark parce que l'eau est comme rouge, là. Ben là, elle est bleue pas mal, j'ai rajouté pas mal de bleu, mais t'es comme rouge tantôt, fait que c'est... Attends, on aurait pu dire qu'il se baignait dans le sang. Attends, on peut-tu... faire un espèce de pas bon là-dedans, de reflet, là. Mettons vert. Tu sais, genre en dessous comme ça. Ben oui. Ben oui, ben tu le fais, là. C'est parfait. C'est exactement ça. Ça marche bien, ça. Ben ça marche certain. Que plus je descends, plus je devrais avoir comme du jaune. Parce que c'est comme. Ouais, c'est ça. Il y aurait bien gros du jaune, puisque nos soleils. Et... Un soleil, hein, oui. Ils sont intenses, nos soleils, là. T'as pas envie d'aller prendre une bière avec ces soleils-là, là.
Une fois que j'aurai fini le ciel, là, je me demande qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter si c'est nous, ça vient bien. Ben c'est ça, là, je te check, ben je suis en train de préparer de quoi, là, je suis en train de faire une recherche en même temps qu'on jase. Oh! Je vais essayer d'ajouter quelque chose. Cab a dit Sais-tu? Jean-Luc Wouf, c'est le chien philosophe. C'est ça, il est comme introspectif. Oui, j'ai comme bête, du coup. Hey, t'as-tu déjà lu Peanuts, toi, de Snoop? Pas beaucoup. Moi non plus. Ok. Puis, pourquoi je t'en parle? Parce que je viens de penser au strip de Doom. C'est que ça, c'est pas que ça m'a jamais intéressé, mais tu sais, comme j'ai vu les cartoons de Charlie Brown quand j'étais kid, puis tu sais, je trouvais ça cool. Puis c'est Axel qui m'a dit, non, non, tu sais, c'est un des grands chefs-d'œuvre. Puis là, tu sais, plus je checkais ça, plus je l'entendais souvent, tu sais, en référence par des auteurs que j'aime full, qui étaient comme, non, non, tu sais, Peanuts, c'est la plus grande BD. Puis c'est un auteur qui a dit, quand j'ai commencé à comprendre que Peanuts, c'était pas une comédie, mais que c'était un drame, c'est là que j'ai commencé à embarquer, puis j'ai aimé ça. Wow, mais c'est super triste. Ben, c'est super triste. Je sais pas, je vais t'avouer que c'est comme, je sais que c'est bon, mais je l'ai pas relu depuis mon enfance. Mais t'sais, je sais pas, il y a comme une vibe tellement dark dans Peanuts, on dirait que j'ose pas m'embarquer là-dedans parce que je sais que je vais être déprimée. Ouais. Non, non, moi aussi, Il y a comme je comprends. Je comprends parfaitement. Mais tu lis-tu pas mal de BD dans la vie? Oui. Ah. Là, je viens de lire, il y a Toine qui m'a passé un album de Pierre Lapolis qui était vraiment bon. Je me rappelle plus du tout. Qu'est-ce que j'ai lu avant? Il me semble que j'en ai lu une couple. J'ai lu le dernier Jean-Sébastien Bérubé, qui était très Ouais. bon. Ouais, il est dans ma pile, là. Faut que je le lise, là. Ça a l'air extraordinaire, là. Non, c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'en ai lu une couple. Mais aussi, c'est parce que j'ai beaucoup d'affaires en même temps. Là, il y a un de mes amis qui m'a passé des fourmis. Pas une Ouais. BD, là. Le roman, là. Ouais, de comment Fait que, Bernard Werber ou Verbal, je sais pas ça. moi non plus, Puis je sais c'est pas. ça, les romans, c'est plus long qu'une BD, là. C'est plus d'engagement, là. T'es obligé, comme, d'en lire un petit peu, tu le reposes, t'en lis un petit peu. J'aime mieux lire des BD parce que les BD, je sais que je pourrais lire d'une couverture à l'autre, là. Ouais, exact. T'es en train de faire un fanart. Oui, exact. Là, j'essaie de voir une référence parce que c'est pas un C'est chien qui se... drôle! C'est ça, c'est pas un chien qui se promène à quatre pattes. Colin, il est à deux pattes. Ah non, attends, il y a une photo, il est à quatre pattes, ok. C'est Mais bon. il est dans les airs, Mais c'est ça, c'est parce que je veux faire une variation de Jean-Luc là. Oh, wow, c'est beau. qui a des petites ailes. C'est donc bien, attends, je vais faire. Ah, okay. C'est ça que j'allais faire. Parfait. Hey, Ben, check ça. Notre belle fresque. Pour vrai, là, c'est... Attends une minute. Quelle couleur je fais? Parce que, ah, il aurait fallu que tu le fasses un petit peu à gauche, mais attends une minute. Je vais racheter quelque chose, je suis pas sûre, on va peut-être l'effacer. C'est juste que je fais mieux. Je Je pense vais que je peux mettre le un peu déplacer, hein. Je peux le déplacer si tu veux. Tu veux que je le déplace? C'est bon de le déplacer un tout petit peu plus à gauche. Ouais. Qu'il y ait un petit espace derrière ton cul. Ouais, attends un peu. Attends, de même, genre? Oui! Attends Bon, un peu. attends une Ok, minute. Il faut que je là, j'y refasse touche le plus, pied là. en arrière. Ah! Faut que je repasse mes lignes. Ah, attends, là, c'est ça, j'ai... Attends, comment qu'on fait pour désélectionner? Eh, Attends, boy. non. Terminé, je vais juste faire un doux. Parce que j'avais. Tout ce que j'avais effacé, c'était. Ah, il y a un maximum de doux. OK. On s'en fout, là. Pas grave. OK. Je vais effacer l'intérieur de Jean-Luc. Parce qu'on pourrait faire comme si. Je sais pas si ça va marcher, là. Parce qu'il pourrait avoir comme une belle. Check d'un coup.
Oups, ça sonne un peu. C'est comme un arc-en-ciel. Tellement. Ah oui, c'est parfait. Incroyable. Non, non, mais il faut qu'il soit en couleur, l'arc-en-ciel. Il faut choisir des couleurs Oui, attends, différentes. là, Ben attends. oui. Je te laisse gérer ça. Marie-Ève la blonde à dos m'a dit, dos mais heureux. Là. Oups. Gab a dit, dessiner qu'est-ce qui se passe sous l'eau. Hey, là, c'est parce qu'on n'a pas ben de place. Je sais pas Mais non, mais si. ça, je pense qu'il faut qu'on le fasse sur un autre. Ouais. On va en faire un autre. Qu'est-ce qui se passe en dessous de l'eau? Ça veut dire qu'il faut qu'on aille le bas du requin, le bas de l'homme-soleil. Ouais, avec une. Exact, avec une coupe d'orteils. Ok. Non, non, on va trouver, on va trouver. Puis là, faut le signer aussi, parce que là, écoute, Oh boy. je pourrais peut-être l'imprimer puis l'offrir à Doom. Je pense qu'il serait content. Puis, Right. il pourrait le mettre à côté de son bureau. Comme ça, quand il va être un peu. un peu depressed, va checker les soleils, il va faire Oh shit! Oh! Il va Cab, tu me demandes si on peut agrandir le canevas. Écoute, je ne sais pas, mais je sais que y a une capacité maximale au site, sinon, genre, il veut pas, genre. Fait que, honnêtement, j'ai jamais gossé là-dedans. Puis non, c'est ça, tu sais, ça. Non, je pense qu'il va falloir faire un autre Ouais. On va en faire un autre. Et long oui, lui, je suis passe. en train de le saver, là. Fait que. J'ai terminé. OK. Ben là, faut signer, par exemple. Faut signer dans le petit coin, là. C'est On qu'on va. signe ça? Ben, dans le petit coin dans Ah, en bas l'eau, à hein. gauche. Ben ouais. Signe donc en premier que je signe pas par-dessus toi. OK. Je veux que tu m'expliques la Axel, elle veut signature. vraiment qu'on l'imprime. Ce serait quand même très drôle que, genre, quand les salons vont réouvrir, on ait comme un print de ça chacun à notre table, genre. Ah ouais, sans copie. OK. Ça. Attends, il manque un bout là qui me gosse 2 secondes. Ouais, Faut que vas-y, j'aille de l'autre vas-y. côté un peu. Attends, là. Ici, là. OK. C'est quoi que t'as corrigé? J'ai même pas vu. Écoute, ça n'avait même pas rapport. OK. J'ai fait OK. un doux. OK, le dessin est fini. Le dessin est terminé. Ah, attends une minute, j'ai fait un doux. Il manque une barre sur le E. Deuxième. What? Okay. OK, fait que là, comment qu'on fait ça? Attends, est-ce qu'on fait new? Ben oui. OK. Mais tu es sauvé, Oui, j'ai sauvé ça. là. Ok, t'es neuf. Tu vas le sauver, moi, avec. New drawing. Excellent. Je sais pas où est-ce que ça a sauvé, mais ça l'a sauvé. OK, Non, fait que mais là, c'est on beaucoup recommence à zéro, mais là, c'est le bas. Puis là, ce qui est plate, c'est pas comme dans pareil. Photoshop qu'on peut avoir, genre, l'autre image, là. Fait que je sais que. Non, il va falloir juste qu'on s'en rappelle. C'est ça, ben, ça va faire partie du jeu. Fait que là, OK. je sais que le requin, tu sais, il est à peu près ici, là. Mettons. Attends une minute, faut-tu que tu me renvoies l'adresse, une autre adresse? Ah, ben oui. OK, je vais t'envoyer ça.
Ok, ben oui, j'ai fait new, puis ça t'a comme kické out. Je m'excuse. Hey, toi qui t'es out! Ben oui, je t'ai kické out. Je te renvoie le lien. Hey, mais attends, je pourrais. Ça te tente-tu? Ça pourrait être drôle, là, que je pourrais envoyer le lien à Cab ou à Axel ou même à Jean-Luc, à Doom, je veux dire. Ah, ben oui, invite-les. Je ne sais pas s'ils veulent, là, mais je vais lui demander. On va voir si ça lui tente d'embarquer dans ce qui se passe sous l'eau. Fait que là, t'es là, hein? Ouais, là, je suis là. OK. Là, je suis en train de faire. D'essayer de penser au vol. Là, ses mains sont à l'extérieur de l'eau, fait que c'est juste son torse. Oups. Ouais, moi j'ai comme une queue de sirène ici, là, genre. Que ça va être en vert. C'est drôle, c'est le premier épisode que je fais que, genre, on est vraiment trop dedans le dessin, là. D'habitude, on fait juste vraiment, genre, jaser en dessinant n'importe quoi, mais là, on est comme, attends, là, on a un projet, là. Je trouve ça hot. OK. Puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, c'est ça, le reste est à découvrir, là. Mais oui! Mais attends, il y avait. Ok, tu l'as? Parce que moi, j'ai l'autre dessin ouvert dans la table. Ah, Ah, il y nice. a l'homme pizza en arrière. Ouais. OK. Attends un peu. Cab, elle va joindre à nous. Oh yeah! Ouais. Elle dit qu'elle va nous faire une belle sirène. J'ai hâte de voir ça. OK. A new challenger appears. Cab, come on down. Là, c'est juste plate parce qu'on peut pas l'entendre, par exemple. Elle peut pas nous parler. Honnêtement, je suis pas assez. On peut pas l'inviter sur Messenger. Ben, si t'es capable, vas-y fort, mais moi, je saurais pas comment. Attends, je suis pas sûre que je suis capable. Allô, Vanessa? Il y a des gens qui se rajoutent dans le chat, fait que je pense qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer. What the fuck? Ah, ajouter des mondes. Car. Ça va être Caroline Brault, j'imagine. Ouais. Là, peut-être que ça y tente pas non plus. J'ai comme pas demandé, là. What? Ouais, je pense que ça n'a pas marché. Mais en tout cas, pas faux. Mais là, elle dessine. Elle, on voit son. Elle a un nouveau layer, puis là, elle dessine avec nous. Fait qu'au pire, elle peut nous OK. écrire, là, si. Mais là, elle dit qu'elle ferait une belle sirène, puis moi, j'ai envie de faire. Attends un peu. Tu sais, parce que là, on est sous l'eau, mais y a-tu un sol à ça ou. Ah, ben là, écoute. Size the limit. En fait, seize the limit. Non, c'est qu'après ça, on en fait un troisième, puis c'est dans le ciel, en haut des. Wow, on est encore ici à 3 heures ce Ben matin. non, c'est ça. Donc, ça, je te Okay. l'ai pas dit, mais d'habitude, les épisodes que je vise environ 1 heure et quart, 1 heure et demie, Whoops. puis là, on est. On est parti Allô, est-ce que tu es là? un bout, là. Allô? Ok, il y a juste toi, là. Est-ce que vous Oh, m'entendez? ah! Yes! Allô, Attends, attends, Cab! attends, attends. Attends. Ah, c'est... Salut! Ah, ça sera Salut! pas long, je suspends mon Dropbox pour pas que ça lague. Ah non, c'est ça, vous avez appelé, puis j'étais comme, ben là, ils vont entendre leur propre audio s'ils m'appellent. Puis là, j'étais comme, ben, je peux juste fermer le son de mon ordi Oui. aussi. J'étais bien mélangée. J'étais bien, bien, bien mélangée. Ouais, Oui, fait que bienvenue sur notre beau dessin.
Ben oui, c'est le monde sous-marin. Ben oui, moi je trouve ça God malade. damn. Puis là, faut pas oublier C'est malade. notre direction artistique des petits traits à la Van Gogh, là. Ah oui, c'est vrai. C'est Oui. important, ça. Oui, 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 oui. Ouais. Je vais revenir à la charge avec les bons petits. On a pas vraiment décidé de si on faisait un effet de couleur de, tu sais, qu'on est dans le fond de l'eau. Ben, d'après moi, ça va venir avec le Van Gogh, ça. OK. Ah, bonne stratégie. Fais des petits. Je pense que c'est comme la première vraie fois que j'utilise ça, fait que c'est genre un peu foquant, Ouais, ben là, Sviane puis moi, on a exactement, moi je te hein? conseille de faire comme nous autres, là, c'est qu'on a mis le brush comme au minimum ou à 6 pixels, puis on a décoché le Ouais. 16 puis décoché la densité. Fait que c'est Ouais. vraiment Ouais, comme fait du. qu'on est ordi. C'est ça. C'est vraiment Ouais, mode c'est ça. ordi, genre on peut pas s'y méprendre, là. On peut pas passer. Ah, c'est-tu du traditionnel, ça, ou de l'aquarelle? OK. C'est drôle. OK, je tiens quelque chose. Hey, puis là, je suis content parce que vous me donnez comme Hey, un. c'est cool, les raccourcis clavier marchent pareil. Ouais, exact. Mais là, moi, je vois pas ce que tu fais, par exemple, câble. OK, là. Moi, je le vois. OK, oui. Là, tu viens J'ai de commencer, compris là. qu'il y a eu une couple d'essais-erreurs. Ouais, OK, c'est bon, c'est bon. Puis là, vu qu'on a fait des soleils creepy, je sais pas, ça serait quoi l'équivalent des soleils creepy en dessous de l'eau, Les étoiles de mer, Katie. là. Ouais, une bonne idée, ça. Ça demande comme un grand niveau de concentration. T'es bon de faire ça, puis jaser à chaque semaine, Jake. Ouais, c'est pour vrai, c'est pour ça que je suis content que tu embarques là, parce que je vais pouvoir plus vous jaser ça, parce que j'avoue que Ah! c'est vrai que Ouais, c'est de l'ouvrage, hein? ouais, pour vrai. Ouais, parler et dessiner en même temps, là. Puis lire les Ouais. commentaires YouTube, puis checker si le son il est bon, puis tu sais, c'est du multitask. Fait que le dernier commentaire que j'ai lu, c'est Doom est heureux. Ah, c'est merveilleux. Puis, ah non, c'est pas vrai, je lis en plus, après j'ai lu, faut qu'on fasse un print avec. Fait qu'on va faire un print avec, Axel, inquiète-toi pas. Puis, Jean-Luc, il a trop pris de vin. Le chien, il peut pas venir dessiner avec nous parce qu'il a trop pris de vin. Fait que là, ben tant qu'à vous avoir les deux, là. De quoi vous voulez jaser? Moi, j'avais comme des questions pour Sviane, mais je pense que les deux, je vais vous les poser parce que ça fit. Vas-y. Je viens de catcher que mes questions y fit pour vous deux, mais je voulais qu'on jase du Japon. Ah. Parce que Cab aussi, t'es allé au Japon. Ouais. Puis vous. D'ailleurs, j'ai un appel avec eux autres demain Pour pour vrai? ouais, on se pratique de, on fait Téléphone un. le Japon? Oui, le pays au complet. Mais tu sais, Yeah. avec la délégation là-bas, on va faire comme un dessin en direct la semaine prochaine. Fait que demain, c'est notre test technique, là. À 8 h le matin, le dessin en direct la semaine prochaine est à 7 h le Ah, matin. wow. Ça, c'est intense! Ouais. Mais ça va, j'ai full hâte pour vrai, là. Ouais, Ouais, 2 h de dessin en direct avec un interprète en japonais. Il va falloir que je me fasse comme un gallon de café, là. ah non, c'est clair, ça va être intense. Puis, tu sais, c'est surtout que. Ben, en même temps, tu sais, 7 h du matin, oui, c'est intense, sauf que tu restes chez vous, tu sais. C'est pas comme genre, Ouais, fallait que tu bon fasses point. 1 h 30 de bus, puis là, elle est là, puis Ou 12 h 9. là. Ouais, exact. Ouais. Fait que je suis sûr. Excuse-moi, Jake, je t'ai interrompu dans ta question avec ma trivia pas intéressante, là. Ben non, au contraire, je voulais parler Non, justement si c'est vous pas très aviez, intéressant, mais... ben si vous aviez Ouais, gardé des willing à liens. ce point de, tu sais, comme, aller dessiner à 7 h le matin, moi, je suis wow.
Je veux vraiment beaucoup me faire réinviter, fait que... Ouais, je comprends. Je fais ce qu'il y a à faire, là. Mais c'est ça, c'était ça ma question dans le fond aussi, je m'en allais avec ça, c'était si vous aviez gardé des liens avec du monde là-bas ou t'sais, si c'était une expérience que les deux, ben le câble t'a déjà un peu répondu, mais t'sais, Viviane, toi, tu y retournerais-tu? Moi, j'y retournerais, mais je vais t'avouer que la dernière fois que je suis allée, quand je suis retournée, j'étais comme, OK, c'est correct. Tu sais, je suis allée deux fois en peu de temps, genre deux fois en presque un an. OK. La première fois, c'était mongol malade, j'ai adoré ça, c'était vraiment hot. J'étais là un mois tout seul, je m'étais pognée à Airbnb. Un mois et demi, en fait. Ah ouais, Puis, c'est long, hein? Ouais, puis j'étais pas mal du seul, mais tu sais, je connaissais une couple de monde à Tokyo, entre autres, il y a une fille qui tripe bien raide sur la bande dessinée québécoise. C'est vraiment niche, là, c'est ça, la BD québécoise. Wow. Puis il y avait un traducteur que j'ai gardé contact avec, Yuki de la délégation du Québec à Tokyo, mais des auteurs de BD comme tels, j'ai pas vraiment fait de lien. Fait que ça, je regrette un petit peu. Sinon, la deuxième fois que je suis retournée, je m'étais dit, j'étais allée pour un congrès de Parkinson. Ça, c'était vraiment malade, mais tu sais, c'était international. J'ai pas beaucoup fait de contact avec des Japonais, c'est surtout avec du monde comme de plein de pays. Puis le reste du temps, j'étais allée dans un Airbnb que dans la description, ça disait, ah oui, on est une gang de Japonais qu'on habite là, on fait des parties, tu vas te faire des amis. Puis finalement, waouh, c'était vraiment pas ça. Ah Je ouais. me suis pas fait d'amis, puis ça m'a full déprimée, puis j'étais un peu stressée parce que je retournais à Montréal, puis genre une semaine et demie après, je déménageais. Fait que j'étais juste en train de capoter pour me dire, fuck, il faut que je commence mes devoirs, qu'est-ce que je fais au Japon, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça le contexte. Fait que, tu sais, c'est clair que j'aimerais ça y retourner, mais quand j'étais revenue, je me souviens que j'étais dans le taxi en revenant de l'aéroport, puis j'étais comme, ouf, le Japon, je suis pas sûre que je vais y retourner tout de suite. Ouais. Puis ça, les deux, t'es couvres dans ta BD Viviane au Japon, hein, ces deux voyages-là? Non, c'est juste la première. Ah, ok. La Ça, je me deuxième, demandais. c'était pour, c'était un congrès sur le Parkinson. C'était vraiment cool comme contrat. J'étais genre bébé reporter. C'était dans un espèce de gros centre des congrès avec une architecture brutaliste à Tokyo, à Kyoto, je veux dire, avec plein d'arbres. Tout était design. C'était vraiment hot. Puis c'était assez particulier comme événement. Il y avait plein de monde qui avait le Parkinson. Puis je sais qu'en 2023, je pense qu'ils vont le refaire, mais cette fois-ci, ça va être à Barcelone. Fait Okay. que j'espère qu'ils vont m'engager encore, mais bon, on verra. J'avais une joke vraiment dolle avec le Parkinson puis des tremblements de terre, fait que je la ferai pas, je pense. Ouais, j'ai fait ce genre de joke-là là-bas qui a pas... Ben, c'est pas qu'elle a mal passé, mais genre, il y a pas beaucoup de monde qui ont ri, fait que j'ai fait ça. C'est sûr qu'il y en a qui ont ri poliment parce que c'est le Japon, mais... Ah, C'est ça. calice. Mais non, les Japonais, ils n'ont pas compris ma joke parce qu'ils ne parlaient pas anglais. C'est quand même très drôle. Mais c'est quoi qui t'a amené ce genre de contrat-là? C'est quand même, tu sais, C'était BD mon livre, Viviane au reportage. Japon. OK, c'est C'était ça. une OK. fille qui l'avait lu. En fait, le congrès est organisé par une firme de Montréal qui avait déjà. Il avait déjà organisé d'autres congrès de Parkinson qui étaient tout le temps dans des pays différents. Puis à un moment donné, justement, c'était à Montréal, il y a une couple d'années. Puis là, c'était eux autres qui avaient la charge de faire ça à Kyoto. Puis je sais pas, il y a une fille qui avait lu Viviane au Japon, puis elle a fait comme, ah, j'ai une super bonne idée de quelque chose qui est un peu nouveau. Puis on voulait avoir, tu sais, une présence sur les réseaux sociaux, mais un peu, tu sais, on voulait pas juste un photographe, on voulait des bandes dessinées, fait que ce que, tu sais, eux autres aussi, ils connaissaient pas trop, ils savaient pas trop c'est quoi la formule qu'ils voulaient, fait que c'était assez nouveau, moi j'ai comme improvisé quelque chose, mais c'était tellement cool, c'était vraiment le Ah fun, j'étais ouais, invitée partout, puis la bouffe était folle, puis il y avait des espèces de buffets de mongols, en tout cas, c'était vraiment y cool. a pas une journée où je m'ennuie pas de la bouffe du Japon. Ah! Ah. I feel for that. Moi, j'ai écouté Oh my God, dernièrement ça avec ma parle pas. blonde le film Tampopo, là. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Oui, ça donne tellement faim, ce film-là. Exact. Puis j'ai eu la réflexion parce que tu sais là-dedans évidemment c'est une fille qui veut avoir le meilleur resto de ramen. Fait que tu sais il y a tout le monde mange des ramen tout le temps tout le temps tout le temps. Oh. Puis moi je checkais ça puis j'étais comme
je me reviens vers ma blonde. Je pense que je suis le genre de personne qui pourrait manger un ramen par jour. Tu sais, genre, ça j'étais pas dégoûté par ça, pas tout, au contraire, j'étais comme, ah oui, celui-là, il y a de la bon, ah oui, puis là, tu sais, comme t'as toute la préparation, puis l'espèce de protocole quasiment spirituel de comment manger le ramen, puis il faut que tu tasses ta Ouais. viande, que tu la pousses en dessous des nouilles en lui disant à plus tard, puis tu sais, Ouais, tout le gros rituel super hot. Je suis comme, oui, j'adhère à cette philosophie. Ben c'est ça, moi je pense que moi je suis jamais allé au Japon encore, puis tu sais, c'est un de mes rêves que j'ai depuis que une je suis question, kid faut là. qu'il y aille, là. Il faut qu'il y aille. Ouais, C'est c'est vraiment une question de temps, c'est sûr que ça va arriver. ben c'est ça, c'est que tu sais, j'hésite entre deux affaires parce que en fait ce que j'aimerais c'est un mélange des deux possibilités que j'ai là. Tu sais, il y en a un, c'est juste d'y aller justement pour le trip, me louer un Airbnb puis tu sais, triper. Mais j'aimerais quand même savoir une espèce de contact professionnel ou, tu sais, du moins un guide qui pourrait me diriger vers des affaires, tu sais. Puis c'est parce que Tokyo, c'est ça, c'est tellement huge que ça me... Tu sais, ça me prendrait, genre, justement, une de vous deux ou vous deux en même temps, genre, pour faire comme... OK, essaye Il ça, connaît va pas trop là, ça. viens manger ici, Et mais bon. en même temps de, tu sais, de garder notre indépendance, t'sais. C'est Ben, je pense que le meilleur des cas, c'est de se faire inviter pour un événement, profiter d'un interprète, puis d'avoir un petit peu d'activité en rapport avec le travail, parce que c'est le fun de rencontrer d'autres artistes qui font le même métier que toi, tu sais. ben exact. Puis après ça, rester à tes frais. Arriver en avance ou rester après à tes frais. Moi, c'est ça que j'ai fait quand je suis allée. Ouais. Parce qu'autrement dit, ça aurait été juste une semaine non-stop d'activité, puis retour à Montréal, tu sais. Je suis Hey tellement non, contente ça vaut d'être pas la restée une peine. semaine de plus, là. Tu sais, après la première semaine, t'es brûlée parce que t'as fait des activités, puis tu sais, Yuki, ça, c'est la déléguée au Japon, elle organise des. Ça fait des horaires aux 15 minutes près, là. Fait que tu sais, ça drive, mais après ça, au moins, t'es comme, regarde, je suis accoutumée, le jet lag est fini, je commence à comprendre le transport, là, je peux avoir du fun. Puis, tu sais, aussi, c'est... J'aimerais ça y aller, tu sais, avec un ami, là. Tu sais, parce Ouais, c'est que sûr. je sais pas si... Tu sais, je pense que ma blonde puis moi, on très près, mettons, y aller ensemble. Mais il y a plein d'affaires que, tu sais, justement, les boutiques de manga, puis genre, les... Que, tu sais, elle, je sais qu'elle triperait pas, puis moi, j'ai pas envie d'y imposer ça, puis j'ai pas envie non plus de me sentir comme... Ah, vite, vite, faut que je passe vite à travers ça. Tu sais, comme je veux, genre, aller voir la statue de Gundam. Puis, tu sais, je veux, genre, vivre le gros trip de nerd, là, tu sais. Tant qu'à être Ben, là, je veux le ouais, mais vivre, là. vous Des pouvez journées y sur aller la puis vous paix. skater aussi. Okay. C'est ça, vous pouvez, tu sais, c'est possible d'y aller puis passer une journée ou deux chacun de son côté. Bon, ben, c'est long une journée en voyage. Tu sais, tu peux aller faire un avant-midi à quelque part puis te retrouver après, là. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Mais bref, c'est quelque chose qui m'excite bien gros. Puis, tu sais, ça me faisait comme rêver, là, Sviane, quand je lisais ta BD sur le Japon. J'étais comme, ah oh, oui. Puis, tu sais, le pire, c'est que cette BD-là, je la conseille à tout le monde qui est intéressé par la culture japonaise parce qu'il y a aussi un côté très éducatif, là. Tu sais, puis si tu fais souvent ça dans tes BD, tu sais, tu racontes ton parcours, c'est super personnel, mais en même temps, genre, on apprend de quoi, là? Ah, moi, j'ai Ouais. fou appris d'affaires là, sur le protocole que quand j'ai lu ton livre, j'étais comme fou, je me rappelle de ça, là. Mais en même temps, tu sais. Rien de ce que j'ai fait était vraiment vérifié, là. Fait que j'ai peut-être dit des conneries, mais je ne sais pas. Ah, oh, c'est sûr qu'on dit toutes des conneries, là, tu sais, mais c'est pas Mais tu peux grave. comme pas. Tu peux pas t'attendre à aller au Japon puis faire aucun faux pas. Ouais, Non, puis je non, pense c'est que ça serait ça, hein. pareil s'ils venaient ici, là. Tu sais, c'est pas. C'est juste une. C'est différent la culture. Ils sont pas. Ils ont des protocoles, mais ils sont pas si stock-up que ça, là. Non, c'est pas ce cas, mais, tu sais, mettons, c'est drôle parce que j'en parlais à Iris hier, ou avant-hier,
Parce qu'elle aussi, elle aimerait tout ça y retourner. Là. Puis, elle avait une rencontre avec le consul à Montréal, puis elle était full stressée parce qu'elle disait comme, tu sais, il y a tellement de règles implicites avec les Japonais, tu sais, il y a une façon de faire, elle se dit comme, OK, je vais apporter des cadeaux, puis là, tu sais, genre, elle a ça sur sa liste de cocher, OK, si c'est bien, il faut que tu fasses ça, parce que des fois, tu te ramasses dans des situations où est-ce que, je sais pas, ils font quelque chose, puis là, tu fais comme, fuck, est-ce que j'aurais dû faire la même affaire, puis là, tu te sens mal, puis après ça, mais eux autres, tu sais, ils savent que t'es un étranger, puis que tu connais pas toutes ces affaires-là, fait qu'ils sont super indulgents, puis il n'y a pas vraiment de problème, mais quand même, il peut avoir des situation où est-ce que, tu sais, moi, personnellement, j'étais pas habituée d'avoir autant de, comment je peux dire, de protocoles avec des relations, ben, pas des relations chaleureuses, personnelles avec quelqu'un que tu connais beaucoup, tu sais, c'était plus des gens que je rencontrais une seule fois dans ma vie ou deux, trois fois. Fait qu'il y avait comme une façon d'être, de faire que j'étais comme un petit peu maladroite, mais si t'es capable de passer à travers ça, il y en a aucun problème. Ah, puis tu sais, on est dans un milieu culturel aussi, je pense que c'est plus permissif. On va pas là pour signer des contrats Ouais. de pièces d'auto à plusieurs milliards de dollars. Mais on est là pour représenter la culture. Je pense que les gens ils comprennent qu'on n'est pas des grands diplomates, là. Ouais. Mais c'est ça aussi, c'est vu qu'on est artiste, on a une espèce Un de free licence d'être pass. libre. Oui, c'est ça, on Ouais, a un free pass. On a le droit d'être fucky, c'est ça. Ouais. là. Tu sais, puis on en a rencontré aussi des mondes, des gens flyés, là, tu sais. Moi, j'étais dans un Comic-Con, c'était pas un grand Comic-Con, même si ça avait pas d'esti de bon sens d'envergure, mais j'ai vu du monde se promener nu-pieds, puis j'étais comme, ben oui, c'est partout pareil, là, des nerds qui ont des petits quirks sociaux, là. Ouais, ben c'est ça, c'est des artistes. Ah oui! Mais est-ce que t'as lu t'as-tu lu le livre d'Iris? j'ai De qui publie des choses, je parle? Ouais. Oui, ben moi, je l'ai lu plusieurs fois. Et là, c'est ça, je suis en train de le lire. Puis c'est drôle parce que moi et Axel, on l'a croisé sur la rue en fin de semaine. Puis justement, elle nous parlait qu'elle était stressée pour sa rencontre au consul, puis s'il fallait qu'elle Ouais. fasse des cadeaux, puis elle avait l'air tétanisée. Fait que ça s'est bien passé, j'espère. Hein? Oui, ça s'est bien passé. Elle m'a appelé tout de suite après, puis j'entendais dans sa voix qu'elle était comme ah, oh! Ça s'est bien passé. Mais elle m'avait dit qu'elle avait fait un petit faux pas, là, puis là, elle était comme oh non, là, je suis comme c'est pas grave. Fait que, Oh, c'est ça. C'est plus comme stressant pour notre petit ego personnel, mais comme, tu sais, le Japon va pas rentrer en guerre avec le Canada là-dessus. mais ça serait beau, ça, hein? Ça ferait une crise de la bonne BD. J'ai mis des souliers rouges. Hey, moi, je pense qu'on est en train de Bon, faire un petit ben. chef-d'œuvre, le guys. Fait que, imaginez que c'est une sirène. Clairement, j'ai parti mon affaire trop big, mais j'espère que vous appréciez mon Apollon de la mer. Oui. J'aime beaucoup cet étang. Oh, Puis merci, moi, je ne Gabriel sais pas si vous vous Isaac. rendez compte, mais depuis comme 15 minutes, je m'occupe de la direction artistique, là. Je m'occupe de la De l'esthétique. constance et le. C'est juste ça, ma job, C'est bon de faire des petits rappels de couleurs. là. Ah Ouais. oui, non. C'est de toute beauté. Il y a une cohérence. Ah, il y a vraiment une cohérence. Hey, Zviad, je voulais te demander aussi, moi j'ai été assez chanceux pour voir le film d'animation de l'ONF basé, ben en fait c'est, Oui. tu l'as écrit pour le film d'animation, c'est pas basé sur une BD là. Non, c'est pas basé sur une C'est BD. ça, exact. Puis comment ça s'appelait donc? Ça s'appelait La pureté de l'enfance. C'est drôle. Je pense que je l'ai vu genre 10 fois, là. Ah, puis moi, je suis chanceux, je l'ai vu au cinéma. Tu sais, je pense qu'il jouait avant, genre. Je me demande si c'était pas. T'étais-tu allé au cinéma Beauvais, Exact, exact, ouais. Puis là? là, C'est-tu en je. première partie du film de Guillaume Lambert? Ah, écoute, je me rappelle pas. Ça fait trop longtemps. Je me rappelle même pas c'est quoi j'allais voir, mais je me rappelle que la première fois que je l'ai vu, je savais même pas que ça existait, là, ce film-là. Puis c'était au cinéma. Ah Fait que, tu sais, ouais. j'étais comme flabbergasté. Wow. Puis en plus, tu sais, le film, il est fucking drôle. Puis, fait que d'entendre la salle,
t'sais, éclater de rire, là. C'était vraiment une super belle expérience, c'était vraiment cool. Puis ben, je me demandais si c'est quelque chose que tu voulais continuer à faire ou si tu avais un autre projet dans ce genre-là, parce que t'sais, ton les style, films. Il s'adapte super bien. Ben oui, t'sais, à faire des films, soit des shorts ou une série Hey, télé ou whatever. quand j'ai fini mon livre, je veux faire des films. Ah oui! Nice! Je veux vraiment, vraiment faire des films. Écoute, j'ai eu une épiphanie ben, l'année passée, il y a 2 ans. Tu sais, la bande dessinée, j'adore ça. Je vais toujours en faire parce que c'est trop le fun. Sauf que c'est jamais quelque chose que j'ai voulu faire professionnellement. T'sais, je suis arrivée là-dedans un peu par hasard. Alors que les films, j'en ai fait toute mon enfance. J'étais accro de dessins animés. J'ai regardé tellement de films d'animation. Les films de l'ONF, là, j'y compte pas qu'est-ce que j'ai écouté, les stop motion. Et puis, la culture japonaise, moi, c'était l'animation qui m'intéressait plus que les mangas. Fait que, tu sais, je veux vraiment faire des dessins animés. Puis quand j'ai fait pas juste des dessins animés, aussi des films de live action, diriger des acteurs, etc., j'adorerais ça. Fait que quand j'ai fait le film de l'ONR, je me suis comme rendu compte, ah oui, c'est vrai, c'est ça que je voulais faire dans ma vie quand j'étais enfant. Fait Ouais. que je me suis comme dit, tu sais, j'ai vraiment un projet d'essayer de faire plus de films quand je vais en finir mon livre-là, mais je veux pas abandonner la BD non plus parce que c'est juste trop le meilleur art au monde. Ouais, ben c'est surtout c'est ça, la BD, ce que ça l'offre, c'est la liberté absolue, là, tu sais, t'as pas besoin d'être Exactement. 15 personnes pour prendre une décision. Puis j'adore ça, travailler en équipe, mais il y a une différence entre, tu sais, l'idée ton propre bateau, puis l'idée le bateau avec plein d'autres mondes qui ont leur personnalité, qui ont leur opinion, qui ont, tu sais, des fois, ça s'en va pas tout le temps dans le même sens, puis il faut que tu fasses des compromis. Puis, tu sais, ça fait partie de l'expérience, c'est magnifique, là. Mais pour les gens qui n'ont pas vu ton film, on peut-tu le voir sur le site de l'ONF? Oui, on peut le voir sur le site de l'ONF, on peut le voir sur Facebook, je pense que c'est sur YouTube aussi. Vous avez juste à taper genre Viviane ONF Ouais, sur la pureté de l'enfance, je viens de YouTube. Ça paraît bien dans une conversation, là. C'est genre, ouais, t'as juste à taper Viviane ONF. Mais c'est vrai! Ben ouais. Mais regarde, je vais le partager dans le chat, puis je le mettrai dans les commentaires, parce que pour vrai, c'est vraiment extraordinaire. Puis moi, ce qui me fait rire, c'est que quand j'ai commencé à faire du podcast avec les Mystérieux Étonnants, un moment donné, je m'étais comme confié à Benoît, l'animateur, puis j'étais comme, tu sais, qu'est-ce qui est fucké? C'est quand j'étais jeune, j'avais une enregistreuse, puis je m'enregistrais, puis je faisais des fausses émissions avec des fausses pubs, puis tout. Puis à ce moment-là, Ben, il est comme, je faisais la même affaire. J'avais une enregistreuse, puis je me faisais des fausses émissions de radio, puis tout. Puis là, on avait notre ami à côté qui était comme, exact, on avait notre ami qui est comme, mais moi aussi, je faisais ça. Puis là, encore une fois, on parlait de se Je sentir sais pas si c'est spécial, puis pour se sentir Mercedes. unique, là. C'est comme un moment que tu fais comme, OK, non, je n'étais pas spécial pendant tout le monde faisait Non, ça, dans non, le je suis fond. unique en tout. Fait que, tu sais, Moi, je faisais c'est. ça avec. Je faisais ça avec Boom. Elle avait un Talkboy comme dans Home Alone, comme la même affaire, là. Ah! Il y a un bouton qui va vite. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu penses que ça fait une génération qui a grandi sur du Pérus? Ben, ça fait des fausses pubs, là. Puis, tu sais, on était comme un peu trop vieilles pour faire ça, là. On est comme. Ça se peut pas, ça, être trop vieux pour faire ça, voyons. Ouais, en tout cas, on avait bien du fun. On faisait des fausses pubs, genre de yogourt au rose beef, puis on se trouvait tellement drôle. On se trouvait drôle. Mais ça, tu vois, ça a cimenté une belle relation qui se poursuit. Mais bref, Oh, t'es chanceux d'être retombé sur un tape comme ça, parce que, ben, tu sais, pour le monde qui n'a pas vu le film, c'est ça, là. C'est toi qui retrouves une vieille cassette où tu t'enregistres ouais. quand t'as comme quelque chose comme 5-6 ans, genre, I guess. Ouais. Pas le même. Je suis pas sûre, mais. Et puis, finalement, il y a un C'est thème drôle. récurrent. Je vous brûlerai pas le punch, mais ça tourne beaucoup autour du même thème, disons. Ouais. Non, c'est. Ouais. Je sais pas quoi dire, Ah, c'est un chef-d'œuvre. C'est particulier comme découverte. Ben T'as tellement dû faire le saut, là.
Mais c'est drôle parce que ces cassettes-là, je les ai tellement écoutées quand j'étais jeune, parce que oui, je m'enregistrais beaucoup, mais j'aimais beaucoup réécouter des cassettes beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup de contenu que j'ai réécouté comme, c'est 30 ans plus tard, là, que je me rappelais quasiment mot à mot de qu'est-ce que je disais. Puis vu que ces cassettes-là, je les ai jamais fait écouter à personne, là. Mes parents n'ont pas écouté ça, mes amis n'ont pas écouté ça. Souvent, c'était moi qui m'enregistrais toute seule. T'sais, je faisais des fois avec des amis, mais le plus souvent, j'étais toute seule. Fait que j'avais pas vraiment le regard des autres sur ces affaires-là. Puis je m'en rappelais à peu près, t'sais, la toune sur les bébés, là. Je Ouais. me rappelais vaguement qu'elle était là. Mais c'est vraiment juste quand je l'ai fait écouter à quelqu'un pour la première fois que je me suis rendu compte à quel point c'était drôle. Non, j'avais pas idée vraiment à quel point c'était oh my god, tu sais. Mais c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre là, c'est tellement, tellement drôle. En tout cas, okay. Ouais, la pureté de La l'enfance. Ah pureté de ouais, c'est merveilleux. l'enfance. Hey, là, on va signer. Puis on va se diriger vers Ouais, hein, la fin de c'est un peu l'émission. fini comme dessin. Ouais. Puis on va signer, mettons, dans le coin à droite, là. Fait que follow my Le lead. coin à droite. OK. Fait Vas-y. que, ouais, exact. Vous pouvez signer par-dessus la belle petite étoile, là. Puis, ben, si les gens, je veux en profiter pour dire merci aux gens de nous avoir écoutés. Merci Ah, d'avoir gentil. été là, d'avoir. Ouais, non, Cab, faut que tu te mettes un layer par-dessus, parce que sinon tu saignes en Un quoi? dessous. Un layer? Layer. Fait que c'est comme dans Photoshop, là, c'est dans le. Tu sais, en dessous des brushes, mais au-dessus de tes layers, il y a Ouais, comme un mais là. petit icône d'une feuille avec un bout de pied, Il y là. en a un qui refait monter. Alright. Hein? 3 ans de cégep pour apprendre à dessiner des niaiseries. À des années d'ennemis. Puis là, je pense pas que vous allez le voir, mais sur YouTube, là, attendez, je vais ressortir l'autre dessin, puis je vais le mettre par-dessus. C'est sûr que ça connecte. C'est sûr, sûr, sûr que ça connecte parfaitement. Je sais pas, on va voir. Attends. Attends un Fait que je peu. m'en allais faire CTRL-S. Ouais, ben, c'est ça, ça marche pas, mais les autres shortcuts marchent, fait que c'est quand même hot, là. Fait que, Le et voilà, CTRL-Z ça, fonctionne c'est. pas, là, ça c'est un peu baveux. Fait que là, pour les gens qui écoutent sur YouTube, on voit le premier dessin qui est là. Et le deuxième qui est un peu plus petit, qui est. On est quand même pas mal proche, moi je dis. C'est. Pour Moi, vrai, je te c'est. garantis que c'est parfaitement Ouais. d'accord. Je Il manque le pied de la femme pizza. Ah oui. Ben non, Il elle est est là. un Ben petit non. peu dans l'eau, là. Ben Ah non. non, Ouais, on le voit, OK. elle est là, elle est Oui, OK, là. il est là, le pied. Tout marche. J'avais pas catché que c'était un pied. OK, c'est bon. Tout marche parfaitement. Excellent, excellent. Quel dessin. Peux-tu les exporter puis les coller dans Photoshop, genre? Oui, je peux faire ça et je ferai ça. Ah non, Wow. c'est incroyable. Merci tellement d'avoir fait ça avec moi. C'est vraiment cool. L'invitation dernière minute. Ben oui, ben Yeah, c'est. merci Gab de t'être joindre à nous. Exact. Ça m'a Ben permis de procrastiner de façon constructive. oui. T'appelles ça constructif? Ben écoute, on explore des nouveaux horizons. Moi, j'aurais jamais Constructif, pensé pareil, que c'est ce le que je monsieur faisais, là. pizza, il avait des talons hauts rouges. Hein. J'aurais jamais pensé à Oui, ça. Fait que. c'est ça. C'est C'est fluide en dessous de l'eau, hein? Oui. Mais on voit quand même, tu sais, que peu importe ce que j'essaie de faire, tu vois, je me suis dirigé tout le temps vers des monstres, des requins blancs, des soleils épeurants, puis là, des étoiles de Soleil. mer freaky. Fait que ça parle de moi. Arrêtez de Non, dire que non, j'ai tu un petit dirais pas ça, t'as dit pénis. ça de moi, là. Je veux dire bédéiste, en tout cas, excusez. Fait que, ben là, juste avant de se quitter, je veux peut-être diriger le monde, peut-être qu'ils ne vous connaissent pas, vers vos plateformes respectives. Fait que, Cab, tu fais un webcomic fucking badass ces temps-ci qui s'appelle U-Town. Excellent webcomic. Allez lire ça, c'est malade. Ouais. Oh, merci Sylviane, merci Jake. Ouais. C'est tellement cool, là. Fait que, allez voir ça La sur. marde des poignées, là, de cette semaine, la semaine prochaine. Qu'est-ce que la marde des poignées, là?
Ouais, maison, maison. Fait que c'est utowncomic.com, c'est tout ça? C'est Bon. exactement ça. Excellent. En Puis français et en anglais. du côté de Sviane, j'ai mis le lien de ton site dans la description, mais tu as aussi un nouveau blog. L'ancien, je pense que l'adresse était genre sviane.com slash Vraiment. prout. Puis là, le nouveau, il est Ouais, marqué là, quelque c'est chose rendu d'autre. slash poutre. Ah, poutre. Fait que. Vienne.com slash poutre. Puis sinon, ben, j'ai aussi. Mais, ouais, là, je suis en retard, là. Ça fait un bout que je vais t'aider parce que là, je dessine full football fantasy en ce moment. Je fais 2 pages par jour. Fait que, à la fin de la journée, je suis comme, ah, ça me tente pas de dessiner encore plus. Fait que là, ça fait un bout que j'ai updaté mon blog. Mais ça ne saurait tarder parce que j'ai toujours envie, j'ai toujours le fun de faire des petites BD de blog. Fait que, d'ici peu, ça va revenir. Ok, Pour vrai, on cool. ramène ça, le blog. On ramène le blog, pour vrai. C'est C'est fun. Moi, tellement cool, le blog. je blogue. J'ai du plaisir. Ça fait un an et C'est le demi, fun, mais c'est le blog. 2 ans que je blogue. Tu blogues où, toi, hein, Cam? Ben, j'ai un. Moi, mon site à moi, c'est un WordPress, fait qu'il y a une fonction pour faire un blog. Fait qu'à la fin de chaque mois, je fais un récapitulatif OK, sur de. Utown. Non, sur. Moi, mon site web, c'est cabfolio.com, que je l'ai genre depuis 10 ans, là. Puis à la fin de chaque mois, je récapitule ce que j'ai fait dans le mois, puis je fais des recommandations de choses à regarder, puis à écouter. Puis des Mais fois, je je suis fais déjà ça allée dans mon voir. Je pensais que hebdomadaire. c'était sur ton Patreon. Je le copie-paste sur mon Patreon, parce que t'es Ah, tant qu'à OK. parler dans le vide, là. Ouais. Fait que Bon, ouais, je ben. le mets aussi sur mon Patreon, mais c'est public, là. Ben. Capfolio.com. C'est ça. Exact. Puis sinon, ben, c'est ça. Si vous aimez Cab, puis ça vous tente de l'encourager, allez sur son Patreon. Puis sinon, Zviane, y Yes. a-tu une dernière affaire que tu voulais plugger ou y a-tu un truc que tu aimerais que les gens y aillent voir? J'aimerais que les gens aillent voir plus ceux qui vendent des blés d'Inde. Parce que le Hmm. blé d'Inde, c'est une ressource importante dans la culture québécoise. Pensons plus au blé d'Inde. Voilà. C'est toi qui aimerais. C'est vrai, ça. Ouais. C'est un peu tôt dans la saison, mais ouais. Il faut qu'on commence à y penser dès maintenant parce qu'il mérite notre attention. Ah, J'ai exact. tellement hâte de manger du blé d'Inde, là. Puis moi, je pense Ah! à la petite chanson de François Pérusse à chaque fois. C'est quoi la tune de son côté? Le blé d'Inde, ça pousse Le dans les blé d'Inde, champs. ça pousse dans les Le champs. blé Le d'Inde, ça blé d'Inde, pogne ça des dents. pogne des dents. Le blé d'Inde, il y a du poêle dessus. Le blé Le d'Inde, il y en a de se mettre dans le cul. Et voilà. Donc, on va se laisser sur cette magnifique chanson de Bledheim. Merci, Viviane. Merci tellement d'avoir été là puis d'avoir dessiné des niaiseries avec moi. Merci, Cab, Ça d'avoir fait pas embarqué dans plaisir. notre débile trip de pizza, Shark, Evil Sun, Jean-Luc Wouf. On dit Moi, ça me aussi remplit de bonheur. bonne fête à Doom qui est en Bonne train de, fête, de Doom. Bonne fête, célébrer ça Doom. chez eux avec sûrement des vinyles de métal et Jean-Luc proche de lui. Fait que bonne fête, mon chum. On t'aime fort. Puis, ben, bye tout le monde qui était dans le chat. Puis, on se dit à la prochaine. Bye-bye. Bye. Et voilà. Yay.